béninoises et béninois, chers compatriotes, peuple du Bénin indivisible, épris de paix et soucieux du mieux-être, depuis le lundi 4 mai 2015, notre pays, le Bénin, vit une tension politique orchestrée par une certaine classe politique qui pensait profiter de l'affaire dite Azanaï pour abuser de la stabilité et de la liberté chèrement acquise par notre peuple. En dépit de tout ce qui s'est passé, d'intolérable, d'inacceptable, tant sur sa personne, sur les citoyens que sur la République en général, le chef de l'État, le président Boni Yayi, soucieux bien sûr de la préservation de la paix et de la cohésion sociale, a suspendu sa plainte. Le Fonds des jeunes pour la sauvegarde de la République dénonce les actions d'incivisme et de vandalisme ayant occasionné des préjudices aux paisibles populations, le plan de déstabilisation de notre démocratie et de notre République. Le Fonds appelle la population au calme et à la vigilance, exhorte la jeunesse béninoise à rester sereine. Le FJSR apporte son soutien indéfectible au chef de l'État, le président de la République, le président Boni Yayi, leader charismatique de la FCBE. Le Fonds sera présent partout où la République serait menacée pour restaurer les valeurs républicaines.